autre mobilisation, celle des salariés de Sanofi. Ils étaient une trentaine ce midi devant le site de Montpellier pour dénoncer le plan de restructuration du groupe pharmaceutique. Ici, 135 suppressions de postes et 150 transferts vers Lyon et Paris seraient envisagés selon les syndicats. C'est dur parce qu'il y a une inquiétude donc qui est maintenant qui est permanente. Il y a de nombreux arrêts de travail, il y a des gens qui sont malades, etc. Mais ceci étant, nous sommes persuadés que ce plan de restructuration va entraîner donc véritablement un désengagement de Sanofi sur ce site. Et nous, pour notre part, on veut véritablement maintenir ces activités. Au chapitre social toujours et en bref, les salariés de Chemoine vont devoir encore patienter pour en savoir plus sur l'avenir de leur entreprise. Le tribunal de commerce de Lyon a reporté au 18 décembre sa décision sur la reprise du groupe chimique. 1300 salariés travaillent pour Chemoine, dont plus de la moitié dans le département des Bouches-du-Rhône et du Gard.